Savez-vous qu'il y a un réseau mondial qui réunit tous les étudiants en médecine? En RDC, tous les étudiants en sciences de la santé? Cependant, l'université constitue un terrain de prédilection pour la formation des futurs dirigeants d'un pays. C'est là que l'étudiant façonne son esprit, se voit être doté de la capacité de raisonner, mais aussi celle de prendre des décisions conséquentes dans sa vie. Nous sommes soucieux d'améliorer les conditions de vie de notre population étudiantine qui vit une situation particulièrement difficile avec un manque d'ouverture sur certaines notions éducationnelles. Conscient du rôle et de la responsabilité de l'étudiant en médecine dans notre société congolaise en général et dans les universités en particulier. Conscient de l'insuffisance dans la recherche scientifique et le goût des échanges scientifiques, soucieux de la promotion de la science dans le milieu estudiantin congolais en général, convaincu de la dégradation des structures sanitaires, sociales et environnementales dues à des guerres fratricides en RDC et la population sinistrée par les calamités naturelles et enclavée des autres parties du monde entier. Ayant le souci d'unifier tous les étudiants en médecine de la RDC, pour travailler ensemble pour un avenir meilleur dans le domaine de la santé en RDC. Voici l'Association des étudiants en médecine en République démocratique du Congo, qui est une branche de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine au monde, créée en 1951, l'une des plus larges et plus anciennes organisations estudiantines. Reconnue comme une organisation non gouvernementale dans le système des Nations Unies et par l'OMS, et travaille en collaboration avec la World Medical Association, comprend à ce jour 140 organisations nationales membres réparties dans 129 pays. Elle a pour vision un monde dans lequel les étudiants sont unis pour la santé globale et sont équipés avec des connaissances, des aptitudes et des valeurs pour prendre en main les rôles de leadership en santé, localement et globalement, pour façonner un futur durable et plein de santé. Elle organise plus de 13 000 échanges cliniques et recherches chaque année, des stages dans tous les pays du monde pour ses membres, des congrès, des conférences, des renforcements des capacités et participe dans les assemblées générales qu'organise au niveau de l'OMS chaque année. En République démocratique du Congo, elle a été créée en 2015 et elle a son siège à Goma et répartie dans plusieurs provinces, notamment la province du Haut-Katanga, la province de Kinshasa, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Lualaba, Kwilu, Kisangani, Bandundu, Kasai et Lomami, pour ne citer que ça. Et elle a pour objectif de promouvoir la science, contribuer au développement des conditions socio-sanitaires de la population et renforcer la fraternité entre les étudiants. Elle est répartie en 6 départements. Nous avons le département de l'éducation médicale, nous avons le département des échanges, des recherches, les départements des échanges professionnels, les départements de la reproduction sexuelle et de lutte contre le VIH-Sida, le département de santé publique, les départements de droits humains et paix. Ces activités, des formations continues, des cours intensifs, des conférences nationales et internationales, des ateliers, des campagnes de sensibilisation et dépistage, des célébrations de journée mondiale. Voulez-vous savoir plus sur l'association? Écrivez-nous aux adresses msadrc@gmail.com et rendez-vous sur nos plateformes et applications telles que institutspec.com, RDC, Kekal, Instagram msadrc, Facebook, MSA, DRC.